Qu'il est arrivé trop tôt. C'est pas grave, pardonnez-nous, c'est la première fois qu'on joue les super-héros. On recommence. Soyez prêts, les gens. Soyez prêts. Vous êtes chauds, là, ok? C'est fatigant d'être un super-héros, moi je suis mort. Captain America, tu t'es décalé là. C'est bien, Captain. Il se fait vieux, hein. Il se fait vieux, mais moi aussi je me fais vieux. Ah, on a plus 20 ans. Ça va être dur de faire respecter les règles à la convention pendant 3 jours à juste nous 3, tu vois. Il y a la sécurité qui sert à rien, mais. Nous là, on a un gars qui court vite. On a un homme qui a été congelé pendant des années avec un bouclier. Et puis on a moi, un beau gosse riche et célèbre. Donc ça va être difficile. Mais t'as pas une idée ce qu'on peut faire pour faire respecter les règles comme il faut? Si. Si. J'ai un bon pote à moi qui est parfait. C'est vrai? Ah, crois-moi, il est parfait. Et tu nous le présentes? Ah, je vais vous le présenter. Attendez. Je vais vous le présenter. Est-ce que vous êtes prêts à venir? Non. Montre-le-nous. On va vous le montrer d'abord. Vous êtes prêts, on va vous faire une petite intro, on va vous expliquer les règles, etc. Donc je vous propose de lancer la vidéo. Bien la CJ. Tout d'abord, la CJ, c'est ça. La CJ, c'est aussi ça. Génial, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a des règles à respecter. Premièrement, on va pas se la masquer, il y a toujours eu ce cliché qui dit on est des gars et puis il y a des filles. Et d'une manière ou d'une autre, on est venu à la CJ pour trouver l'amour. J'adore les pizzas. Toi aussi? Moi aussi. Oh, trop bien. Mais c'est la femme de ma vie. Non les gars, y a zéro chance que ça arrive.
Restez sérieux. C'est pour cette raison qu'à la CJ, on a instauré la règle No Body Contact. Si vous êtes en couple, que vous soyez pas en couple, que vous espériez trouver la femme de votre vie pendant les 4 jours, No Body Contact. C'est très simple. C'est très simple. Pénétrer le dortoir des filles. Vice versa, hein, de nos jours, même les filles, elles viennent essayer de rentrer dans notre dortoir. Pour la journée. Et puis le matin, quand vous vous levez à 6h pour aller à la prière ou pour aller prendre votre douche, faites ça discrètement. Portez-le de manière visible en tout temps, à toute heure. Bonne question de sécurité et de bonheur. Ou sinon, vous en avez la conséquence.
stupide. Voilà, c'est tout pour les règles, on espère que vous passerez une agréable séjour. Amusez-vous bien, profitez, mettez-vous. Cap place, bye bye. J'ai bien compris que t'aurais pas dû faire ça. N'essaye pas. Oui, oui, c'est G-Man. Oui. On se sent tous inférieurs à CG-Man. Alors CG-Man, on a une petite question. Je sais tes compétences et tout ça, et nous on se fait un peu vieux avec Capitaine America. Vas-y, on a tenir debout, le pauvre. Regarde, maintenant son costume, il s'en va déjà. Ouais, ouais. Il est 40-45, c'est pas facile. Il tient depuis longtemps, maintenant. Alors, on a envie de t'engager pour faire respecter les règles. Dans notre ligue de justice suprême. Ah oui. Faire respecter les règles ici à la CJ, tu comprends? Ah oui. On veut savoir si notre proposition t'intéresse. Je sais pas. Parce qu'en fait, je dois vous dire un truc. C'est que je suis pas venu tout seul. Comment ça, hein? Des quatre coins de la Belgique. Et même du monde entier. Ils sont venus, ils ont traversé des contrées. Ils ont pris le train, d'autres sont perdus. Mais ils sont tous arrivés ici, enfants du Dieu très haut, ambassadeurs du Christ. C'est vous l'armée de super-héros, approchez! On va vous donner des costumes! Venez nous montrer de quoi vous êtes capable. Allez, approchez! Ok les gars, venez! On va commencer la CJ! Est-ce que vous êtes prêts pour la CJ? Tenez-vous! Faites des bruits! Non, je vous entends pas là! Il y a même Captain America qui gueule plus fort! Venez! Approchez, n'ayez pas peur! Allez, plus que ça, venez. Attends, j'ai une bonne idée, là. On va d'abord se réchauffer.